costume. Bonjour. Bonjour à tous, messieurs, dames. Hola a todos. Bienvenue pour cette première demi-finale. Aujourd'hui, un superbe programme avec les quatre demi-finales femmes puis hommes. D'abord, donc, une première demi-finale femme qui sera suivie d'une demi-finale homme. Ensuite, la deuxième demi-finale femme suivie de la deuxième demi-finale homme en fin de journée. Voilà, on va encore se régaler tous ensemble aujourd'hui. Vous êtes déjà quelques-uns au rendez-vous, connectés, vous attendiez ce moment. Bienvenue à tous. Les joueuses sont actuellement en fin d'échauffement. Et je vais en profiter pour vous les présenter, si vous ne les connaissez pas encore. Alors, nous avons Lucia Martinez Gomez, joueuse de droite avec le débardeur blanc, espagnole d'origine, née en 91. Elle est numéro 25e mondiale. 19 matchs pour 8 victoires pour l'instant. Le meilleur résultat obtenu cette année, c'était un quart de finale au Swedish Open avec Teresa Navarro, sa partenaire pour ce challenger. Donc Teresa Navarro à gauche, espagnole également d'origine, née en 88, numéro 22e mondial. Dernière demi-finale qu'elle a jouée sur le World Padel Tour, c'était en octobre 2018, donc il y a un an. Son meilleur résultat, donc bien sûr le quart de finale également au Swedish Open en juin 2019. Elle jouait à une époque avec Delfina Brea qui se trouve dans l'autre demi-finale. Voilà, et Delfina qui a choisi de changer de partenaire pour essayer d'obtenir de meilleurs résultats. Leurs adversaires aujourd'hui qui leur sont proposés pour cette demi-finale, les très très expérimentées Carolina Navarro, Cecilia Reiter. Donc Cecilia Reiter, argentine d'origine, née en 82, la joueuse de droite, la gauchère, numéro 14 mondial, 29 matchs pour 18 victoires. Et sa partenaire qui joue donc à gauche, la droitière, Carolina Navarro, espagnole, née en 76, numéro 14 également, puisqu'elles font toujours équipe ensemble, hein, cette paire. Les résultats récents, quart de finale à Cascais, 8e à Madrid. Et en règle générale, elles font toujours, très souvent donc, sur le tableau final de très bons résultats. 8 fois quart de finale, 2 fois 8e, 1 fois 16e. Voilà, elles ont eu un gros match hier en quart contre la paire Brito-Ulrich qui menait d'un set un break. Et elles s'en sont sorties, Carolina et Cecilia. Elles s'en sont sorties vraiment de justesse. Elles ont fini par remporter ce gros quart de finale qui a duré 3 heures 7-6. Au troisième set. Deux énormes quarts de finale hein, qui ont eu lieu hier sur la piste 3 avec donc ce premier match. Brito, Ulrich, Reiter, Navarro, suivi bien sûr, vous l'avez été très très nombreux à le suivre, de la défaite de notre Alix nationale associée à Nicole contre Tamara et Sandra. 7-5 au troisième set. Beaucoup de déceptions hein, bien sûr, je pense que vous avez été nombreux cette nuit à très mal dormir en repensant à ces occasions manquées. Et on ne peut pas manquer autant d'occasions, autant de balles de break dans ce sport. Très très souvent, on le paye à la fin sur le résultat. Et c'est malheureusement ce qui s'est passé pour Nicole et Alix. Après, comme je vous l'ai dit, je l'ai également dit à Alix à la fin de son match, ce sera leur dernière défaite hein, contre cette paire Tamara-Sandra. C'était donc la dernière chance pour Tamara et Sandra de remporter un match contre Alix. Voilà, on est les joueuses... On finit leur échauffement. Carolina Navarro au service. Vous allez voir la particularité de Carolina quand elle sert à gauche. Elle sert en revers, très très rare chez les femmes. Voilà, les joueuses sont prêtes. Il est midi 09 et on est parti donc pour cette première demi-finale. Installez-vous très confortablement. L'après-midi va être magnifique. Que des gros... très bons joueuses et joueurs de padel aujourd'hui. Thank you.
On va voir un petit peu comment ces joueuses vont choisir de développer, quelle stratégie elles vont choisir de développer pendant ce match pour essayer d'accéder à la finale. Donc vous voyez hein, le service revers de Navarro. Un service qu'on a vu hier également chez les hommes, qu'on voit aussi à haut niveau dans le top 3 mondial. Là, c'est Paquito qui le fait souvent, ce service. Donc les femmes aujourd'hui qui ont l'honneur du central, hein, et donc on va voir avec les balles et Padel Prowess des smash par 3 sur cette piste rapide. Très bien joué de la part de Ceci. Et puis un grand bonjour à tout le staff, l'organisation de ce magnifique club de Casa Padel qui accueille ce challenger toute la semaine. Très bonne organisation, un staff. Petit soin pour nous, Padel Magazine, mais également pour les joueurs et les joueuses, grâce entre autres bien sûr aux sponsors, vous le savez, à Estrella Dame, Aide, Boule Padel, Joma, BWT, les voitures Cupra, la Fédé Tennis également en partenariat qui nous a permis à plusieurs d'entre nous, joueurs et joueuses françaises, de connaître cette expérience de jouer sur un challenger. Voilà, donc bien sûr, un grand merci à tous ces sponsors qui permettent la tenue d'un tel événement et surtout nous donnent la chance à nous de le vivre au cœur. On est là et vraiment toute la semaine, j'en ai pris personnellement plein les yeux de voir tous ces joueurs et ces joueuses s'entraîner quotidiennement, de voir un petit peu leur hygiène de vie de sportif de haut niveau. Beaucoup de physique, tous les jours ils font du physique, même quand ils sont en tournoi. Des parties d'entraînement, des diagonales, et puis les matchs derrière, de voir leur préparation à chaque fois d'avant-match, très très intéressant. Vous avez l'habitude maintenant, hein, bien sûr, si vous avez des questions, des commentaires, mais n'hésitez pas, on vous suit, on vous lit sur Padel Mag. Vous avez été très très nombreux hier à participer et à réagir pendant le match d'Alix et Nicole. Donc n'hésitez pas aujourd'hui encore à faire de même. Et puis, dites-moi un petit peu hein, vos pronostics pour ce match. Personnellement, j'ai ma petite idée et puis j'ai un petit peu mes favorites. C'est vrai que ça me ferait plaisir que Cecilia et Carolina rejoignent la finale. Avec ma partenaire cette semaine, Elodie Invernon, on les a laissés gagner hein, en huitième, bien sûr. On ne voulait pas les décevoir et qu'elles fassent un aller-retour d'Espagne aussi rapidement. Donc voilà, on s'était, vous doutez bien, arrangé avant le match entre nous pour leur laisser une victoire. Elle va l'avoir, hein, celle-là, Ceci. Elle va bien sûr la contrer sur un smash par 3. Et, le premier break de ce match, break blanc. JM, tu dis j'annonce Navarro en finale. Oui, ça c'est facile. Et le pronostic est donc bien sûr refusé. Une Navarro dans chaque équipe, vous l'avez compris. Et là, je ne suis pas d'accord pour ce pronostic. Allez, Ceci Reiter au service maintenant pour tenter de confirmer ce break et s'envoler un petit peu dans ce premier set. Vous voyez Reiter, hein, gauchère, joueuse gauchère, donc comme vous le savez maintenant sûrement, les gauchers au padel joue à droite. C'est une question d'angle, comme toujours, comme je vous le répète depuis le début de la semaine. L'équipe parfaite au padel se constituait d'un gaucher et d'un droitier.
le contre Croquetas de Teresa Navarro. Avec ce service gagnant. C'est dommage hein, de pas réussir à faire jouer ces retours là, comme on vous le dit hein, depuis le début de semaine. C'est la base hein, du padel. Faire jouer les retours, faire jouer cette première volée. Voilà, si au padel, c'est vraiment une base non négociable. Comme je dis souvent, c'est la religion du padel. On fait jouer ces trois premières frappes. Les trois premières frappes de chaque point doivent être dans le terrain. C'est vraiment important. Vous ne savez jamais ce qui peut arriver derrière. Voilà, l'image de ce point-là. Le retour, la volée. Voilà, et après, on part dans le combat, on part dans l'échange. Superbe Vibora hein, de Carolina Navarro. Vous avez vu comme elle a collé Cici Reiter très intelligemment. Elle avait vu Teresa en difficulté. Donc elle a collé le filet derrière pour prendre encore un petit peu de temps. Ça n'a pas marché. Pas de problème. On repart au combat. On reconstruit le point. Une belle volée au centre pour resserrer les adversaires. Oui, Teresa hein, qui met la pression là. Qui essaye d'avancer et de forcer Cici à jouer dans l'autre diagonale. Ou alors à essayer d'intercepter la Chiquita. Ça y est, les quatre joueuses au filet. Oh, c'est très bien joué. Bravo à Carolina. Elle s'est arrachée hein, sur cette amortie. Elle l'a remise. Et puis le toit qui a décidé d'arrêter cette balle. Une hauteur sous plafond très très correcte. Hein. Ici à Casa Padel, on est à plus de 10 mètres. Ce qui est largement suffisant au padel, mais bien sûr, tous ces joueurs et ces joueuses qui jouent quand même régulièrement à l'extérieur sont habitués parfois à défendre en chandelle, donc des lobes très très hauts. Et alors, bien sûr, vous en doutez, hein, quand on est à l'intérieur, et ben, on ne peut pas parce que la balle va aller toucher le plafond et donc elle sera faute. Alors, la grosse interrogation aujourd'hui, c'est de savoir comment. Carolina et Cecilia ont récupéré hein, de leur gros quart de finale hier, comme je vous disais en début de retransmission. Elles ont livré un énorme quart de finale hier contre Brito Ulrich. En étant menées d'un set un break, elles s'en sortent finalement 7-6 au troisième set. 3 heures de match, qui est quand même vraiment énorme au padel. C'est très rare. Hein. 3 heures de match au padel, c'est vraiment monstrueux. Et derrière, on a eu également Alix et Nicole qui ont aussi fait 3 heures de match. Donc deux gros quarts de finale féminin. Deux matchs qui ont occupé la piste 3 pendant 6 heures. Allez, une balle de débreak pour Teresa et Lucia. Bien, 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 bien joué hein, de la part de Teresa. Qui a juste posé cette balle et obligé Cici à avancer, à défendre une balle en direct, mais un petit peu compliqué puisqu'elle était en mouvement vers l'avant. Au milieu du carré, elle n'a pas réussi à faire plonger cette balle avant la vitre. Et donc la balle, elle a touché directement la vitre du fond. Et donc, comme vous le savez, elle est faute. Et pour que la balle soit bonne au padel, il faut que la balle rebondisse avant une paroi. Si la balle va directement dans le filet, si elle va directement dans le grillage ou dans une vitre, eh ben elle est faute la balle. Et ensuite, vous avez différentes possibilités hein, pour envoyer une balle bonne. Soit vous jouez la balle de volée, c'est-à-dire avant le rebond. Soit vous jouez la balle en direct. Ce qu'on appelle en direct au padel, c'est jouer la balle après rebond. Soit vous jouez la balle après une ou deux vitres, donc vous laissez la balle rebondir au sol, tapez une ou deux vitres et vous la jouez après,
avant le deuxième rebond, bien sûr. Et soit la dernière possibilité, eh bien, c'est de jouer la balle contre une de vos parois vitrées pour renvoyer la balle de l'autre côté du filet. Donc vous tapez une vitre de votre côté, la balle, il faut qu'elle passe directement le filet. Voilà. Par contre, si votre balle touche le grillage avant de passer le filet, ce sera faute. Voilà, le grillage qui est autorisé pendant l'échange, mais qui n'est pas autorisé pour vous aider à renvoyer la balle de l'autre côté. Voilà pour les règles un petit peu globales de ce sport. Et Teresa et Lucia qui ont immédiatement débreaké, une belle réaction de la part de ces jeunes joueuses. Je vous rappelle, nées en 91 et en 88. Alors que de l'autre côté, Cecilia née en 82, Carolina née en 76. Voilà, des grandes joueuses d'une expérience incroyable. Hein. Une des meilleures joueuses françaises, Géraldine Sorel, me disait cette semaine qu'elle avait joué Carolina Navarro en 2006. Imaginez un petit peu, en 2006, lors d'un mondial. Elle avait déjà joué Carolina Navarro, qui était déjà à un très très bon niveau. Ça fait 13 ans. 13 ans que cette joueuse de gauche joue à haut niveau dans ce sport. Vous imaginez un petit peu l'expérience. Bravo, la Chiquita slicée de Carolina, justement la joueuse dont je venais de parler. Grosse faute là de Teresa. Elle a cherché le smash décroisé gris. Un petit peu de pression mise par Carolina en face. Elle a obligé à jouer une zone un petit peu plus courte et elle a mis cette balle dans le filet. La même. Voilà, démonstration donc de ce que je vous ai expliqué du point d'avant. Même configuration, même punition. Faute directe et trois balles de break à nouveau pour Cecilia et Carolina. Voilà une première sauvée, cadeau de Carolina. Deuxième service puisque la balle de Teresa a touché le grillage après le rebond. Et voilà une autre particularité du grillage, c'est que si votre service après rebond dans la diagonale touche le grillage et la balle est faute, vous avez le droit d'aller sur la vitre au service, mais vous n'avez pas le droit de toucher le grillage. Cadeau, cadeau. Voilà. Petit geste d'énervement hein, de la part de Teresa qui donne donc cette première volée qui reste dans le filet et qui offre le break à Ryder Navarro. Au service, Carolina Navarro. Deux joueuses assorties hein, au niveau de la tenue, même sponsor, même tenue, même bandeau. Mais des raquettes différentes de la même marque, mais chacune a choisi les raquettes qui lui convient, pas tout à fait le même poids. Thank you.
tout petit peu glissé, Cécile Reiter, sur une balle qu'elle est allée chercher vers le filet. A priori, elle ne s'est pas fait mal. Mais on va vérifier ça. La jambe droite qui est partie un petit peu. Très embêtant hein, ce service revers de Carolina Navarro. C'est Alix qui me disait hier, qu'est-ce qu'elle est embêtante avec ce service. Elle sert très très bien en revers. Un match un petit peu bizarre hein, depuis le début, là, les quatre joueuses qui ne sont pas complètement rentrées dans leur match. Un match un petit peu décousu avec plusieurs fautes directes de balles qui restent dans le filet, qui vont dans la vie directe, des balles qui ne sont pas vraiment des fautes provoquées, hein, que je mettrais plutôt dans la catégorie fautes directes vu le niveau de ces joueuses. De nouveau, des balles de break. Pour la paire Navarro-Martinez. Tranquillement sauvé cette première balle. Très bien préparée par Carolina. Tranquillement finie par Cecilia qui a juste eu à feinter un smash frappé. Et quand Teresa s'est avancée pour le défendre, elle a tranquillement glissé sa bibora sous ses pieds. Énorme ce lob. Il a frôlé les limites du plafond. Ah ouais, elles ont pris le dessus. Hein. Bravo, elle sert le point. Hein. Cécile, vous l'avez vu, parce qu'elles s'en sont bien sorties hein, sur ce point. Elle était en difficulté un petit moment. Elle a pris une demi-volée en reculant avec sa technique. Elle a réussi à la garder en bas cette balle, à ne pas la remonter. Et ça a surpris les deux jeunes joueuses en face. Et encore une balle de break à sauver. Bravo, hein, beaucoup de sang-froid dans ce revers long de ligne de Navarro. Et elles sont revenues à égalité. Lob offensif, mais énorme, énorme faute de Cécile Reiter. Là, vraiment, j'ai l'impression que jusqu'au bout, elle a hésité avec le choix de sa frappe. Et elle a finalement décidé de faire un lob offensif, c'est-à-dire un lob qui passe pas trop, trop haut, qui est slicé, mais celui-là était un petit peu plus haut que d'habitude. Et il a pris le bas de la vitre adverse. Cadeau hein, pour donner de nouveau une balle de break à cette paire qui n'en demandait pas tant. Voilà, un lob offensif réussi de la part de Teresa. Avec un peu de réussite hein, de la part de Cécile qui s'est excusée là, hein, sur cette volée qui du coup a fait presque une volée amortie. C'était pas totalement voulu.
Elle est sympa cette image là des joueuses qui échangent entre les points, les deux équipes. La Bambera, donc il y a ce smash de patience quand on est loin du filet. Et c'est dommage là, hein, de la part de Teresa. Et de Lucia de ne pas venir essayer de bloquer cette Bambera de voler. Parce qu'elles auraient vraiment matière à le faire. Du coup, ça changerait un petit peu le timing du point là, pour elle. Et ça poserait problème à Carolina et Ceci. Elle est énorme cette défense contre vitre là qui est vraiment un coup d'urgence au padel. Hein. Le coup que vient de faire Carolina Navarro, éviter au maximum de le faire. On y en abuse souvent quand on commence le padel, mais vous vous retrouvez vraiment dans une situation d'urgence, dos au filet, ça vous coupe des choix tactiques. Mais là, elle était vraiment monstrueuse hein, sa contre vitre à Carolina. Un jeu qui dure hein, pour l'instant. Carolina et Ceci qui ont déjà sauvé 4 ou 5 balles de break. Et comme je vous disais en début de retransmission, il y a et voilà, il y a des occasions qu'il ne faut pas rater au padel. On en parlait tout à l'heure, les occasions qu'Alix et Nicole hier ont raté, de nombreuses occasions de break qu'elles n'ont pas réussi à convertir. Et en général, dans ce sport, eh ben, ça ne pardonne pas au bout du compte. Et la preuve, là, c'est que du coup, maintenant, c'est une balle de jeu pour la paire Reiter-Navarro qui vont essayer donc de confirmer leur break. Ouais, elle avait collé Ceci derrière ce bon service de Carolina, mais la volée qui lui a complètement échappé, un plan de frappe un petit peu reculé. C'est fait avoir par le retour rapide de Teresa. Trajectoire décroisée, très risquée au padel. Et voilà, elle est partie directement dans la vie de sa volée. Vibora. Ici, ça va être plutôt une Bandera, semi-Vibora. Parce qu'elle était loin, Ceci. Plus vous êtes loin, plus il faut adapter votre vitesse de balle pour vous donner le temps de revenir, si vous avez choisi de revenir. Plus vous êtes proche du filet, plus vous pouvez accélérer la balle, mettre de vitesse au niveau de la main ou claquer grâce à une bonne pronation du poignet, c'est-à-dire casser votre poignet pour essayer de faire sortir cette balle hors des limites du terrain. Salut Kevin. Voilà, et donc cette paire très expérimentée, hein, Cecilia Reiter, Carolina Navarro qui arrive à garder leur jeu de service après avoir sauvé 5 balles de break dans ce cinquième jeu et qui s'en sortent et qui mènent désormais 4 jeux à 1. Alors comme je disais hier, ça paraît sévère au score, mais finalement 4 jeux à 1, c'est qu'un seul break de retard hein, et on le voit depuis le début du match, il y a moyen de revenir. Pour l'instant c'est serré avec un match qui n'est pas complètement partie, des joueuses qui ne sont pas complètement encore à leur niveau. Et donc déjà le but pour Teresa Navarro et Lucia Martinez, ça va être de garder leur service dans un premier temps avant d'essayer de rebreaker derrière. Pas à pas, point par point, frappe par frappe. Ouais, vous avez bénéficié de quelques ralentis
que vous offre la Padel Magazine lors de ses lives. Merci bien sûr à Franck Binisté et Padel Mag. Bien sûr au club de Casa Padel. Et vous voyez le langage corporel des combattantes, poings serrés, le cri. Allez, au service, Lucia Martinez Gomez. Un service, alors vraiment, voilà, pour ceux qui nous ont suivis hier, par exemple, je parlais à un moment donné du service de Nicole, de son rythme, de fermeture, ouverture des bras. Et là, on a vraiment une technique de service complètement différente avec Lucia Martinez. Voilà, regardez un petit peu son départ et si vous voulez, regardez un petit peu ce que faisait Nicole hier. Ça vous montre deux techniques différentes. Vous voyez ce relâchement du poignet, le bras ouvert et un petit relâchement du poignet juste avant d'enclencher le geste derrière. Oh, la balle qui est complètement tombée hein, là-bas après la vitre. Elle va aller voir, je pense, Carolina pour voir si la vitre n'est pas mouillée. Alors regardez l'ouverture, le petit coup de poignet juste avant d'enclencher le geste. Et après, elle monte la tête de raquette. Voilà, il existe beaucoup de techniques différentes au service, au padel. Mais on peut voir que techniquement, Lucia a vraiment un profil complètement différent de celui de Nicole. Alors je prends Nicole en exemple parce que c'était vraiment très très révélateur. Hein. Nicole qui avait ses bras souvent un petit peu collés au corps, tendus vers le haut ensemble ou tendus aussi au départ du service. Et là Lucia qui est souvent avec des bras loin du corps dans ses frappes, même de fond de court. Pas de vérité, pas de bonne technique hein, au padel, ni même dans les autres sports, je vous dirais, mais vraiment une... respectez vos profils. Et pour respecter vos profils, il faut déjà le connaître. Certains ont besoin d'avoir les coudes collés au corps, d'autres ont besoin d'avoir une tête de raquette haute, d'autres toujours un peu basse. Certains prennent leur force au niveau de l'épaule et d'autres plutôt au niveau de l'avant-bras poignet. C'est important de connaître son profil et de le respecter. Ça vous permettra d'être beaucoup plus efficace et efficient dans vos choix et dans votre technique. Ah là, ça peut... Ah non, elle a choisi de mettre remettre tranquillement Teresa cette balle. Elle va tourner. Oh là là, mais ça fait deux fois hein, que la balle, elle tombe après la vitre là-bas. Ce serait peut-être à vérifier, savoir s'il n'y a pas un petit peu d'humidité sur la vitre. Peut-être que vous ne le savez pas, mais quand une vitre est un petit peu humide et que la balle touche cette partie-là, la balle tombe. Voilà, exactement ce que je vous disais. Hein. Donc David qui arrive pour essuyer là, parce que clairement, il y a de l'humidité. Hein. Ça fait deux fois que Carolina, elle se fait avoir sur des balles. Alors bien sûr, les terrains ont été très très bien préparés par tout le staff de Casa. Mais régulièrement, les joueuses vont toucher les vitres hein, en défendant avec le corps. Elles vont toucher les vitres avec leur corps et elles transpirent. Donc ça laisse un petit peu de l'humidité. Et il suffit de rien du tout pour que la balle tombe. Et alors pour finir un petit peu sur ce technique service, vous voyez que les joueuses ne servent pas spécialement très fort. Hein. D'ailleurs, ça me rassure parce que je pensais que, pardon, que Cecilia et Carolina, quand elles ont joué contre nous, elles servaient des huitièmes balles pour nous aider à retourner. En fait, je me rends compte qu'elles servaient pratiquement normalement. Mais c'est juste une longueur de balle incroyable hein, qu'elles trouvent à chaque fois. Et c'est vraiment ce qui est le plus important au padel, de la longueur pour vous donner le temps de monter et puis pour obliger le relanceur à avoir... à frapper la balle en reculant. La balle, elle est toujours à
à moins de 20 cm de la ligne de fond de court. Ouais, très bonne zone hein, de la part de Carolina là. Teresa qui avait choisi le service des croisés gris. Mais le rebond a été un petit peu favorable à Carolina qui ne s'est pas laissé surprendre et qui a pu venir mettre un peu d'impact physique dans cette balle. Elle a joué en bas en accélérant au centre, au milieu des deux joueuses. Quelle est belle cette volée, quelle est belle cette volée, un modèle de volée de padel. Regardez ce ralenti. Oh là là, c'est énorme. C'est magnifique. Donc le service était déjà bien sûr superbe. Allez, oh, il est long, je crois, ce service. Tant pis. Mais alors la volée appuyée de haut en bas par Ceci. Et on vous la remontrera, cette volée, hein, au changement de côté. Parce qu'elle est vraiment exceptionnelle. Techniquement parfait, un plan de frappe parfait, l'intensité physique en rentrant dans la balle, une zone, une vitesse parfaite, bref, vous l'avez compris, un 10 sur 10 pour cette volée de Ceci. Et encore une balle pour mener 5 jeux à 2 dans ce premier set. Silette là qui fait échapper, qui enlève la balle de la raquette de Reiter. 40 à. Et on voit un Navarro qui dit à Reiter, vas-y, viens un petit peu plus vers le filet là. Elle passe beaucoup par le bas, les filles en face. Vous êtes nombreux déjà à nous suivre, à nous regarder. Encore une fois, n'hésitez pas si vous avez des questions et des remarques. Bienvenue à tous. Un bon début d'après-midi qui s'annonce avec une très très belle après-midi. Merci Gonzalo, merci beaucoup. Pour ce commentaire, tu me dis que commentario tan inteligente, proprio de un grande conocedor de este deporte. Muchas gracias. Boom, smash par 4, bien sûr. Alors vraiment une faute tactique hein, de la part de Teresa là, qui était en difficulté et qui aurait dû défendre en bas, quitte à ce que cette balle aille dans le filet, mais... Voilà, comme je vous le répète souvent, quand vous êtes en situation défavorable, il faut défendre en bas pour éviter exactement ce genre de balle qui donne vraiment une offrande hein, en face à ce niveau-là. Voilà, sur 100 balles comme ça, 99 fois, Reiter elle va faire un smash par 4, gagnant donc, smash par 4. Donc ce sont des smashs qui sortent au-dessus des limites du fond de court parce que le terrain mesure 4 mètres de hauteur au fond. Et donc les joueuses qui prennent donc ce 7 minutes 31 de repos. Le score
voyez le plan sur les joueuses au changement de côté. Lucia Teresa qui échange beaucoup, qui discute énormément. Voilà le double plan. Carolina et Ceci, voilà Ceci qui est en train de faire des gestes pour dire à sa partenaire sûrement vas-y, peut-être gratte un petit peu plus la balle, joue là peut-être un petit peu plus dans la diagonale. Derrière moi je vais venir coller un petit peu. Oui Louis, exactement, hein, vous avez cette chance là hein, cette semaine que Casa Padel fait le choix de permettre de vous retransmettre ces matchs en live grâce à Padel Magazine. Profitez-en, c'est très très rare d'avoir la chance de voir avec une aussi bonne qualité en plus des matchs en intégralité dès les pré-prévia. On était là toute la semaine et jusqu'à demain bien sûr. Vous aurez les finales en live. Oh, un petit peu de retenue là, hein, dans le bras de Teresa. Parce que c'était très moyennement lobé la part de Carolina, mais elle avait mis la pression un petit peu visuelle, une pression un petit peu physique en avançant. Et donc du coup, Teresa, elle a cherché à lui remettre la balle dans les pieds et elle est restée dans le filet, sa balle. Retour, vitre. Cadeau. Ah là là, ça va faire smash par 4, hein. Ouais, tout à fait, de la part de Teresa. Carolina, qui n'a pas très très bien défendu et qui a un petit peu mal d'ailleurs à la fesse gauche. Elle tire, ça tire apparemment un petit peu. Je pense qu'il va y avoir un petit tour kiné à venir. Elle a dû se faire mal sur le dernier point là. Alors, service à la vitre, première volée au centre longue, la base tactique du padel. On revient en passant par le centre, ça resserre les joueuses, ça ferme les angles. Très bien joué hein, de la part de Lucia et Teresa. Mais là, Carolina, qui a eu un petit peu de mal à y aller vers l'avant, je pense que ça doit tirer un petit peu, je ne sais pas exactement ce qu'elle s'est fait. Et deux balles pour revenir à 5 jeux à 3 et obliger... cette paire ultra expérimentée à servir pour le gain du premier set. Ça va être défendu au centre intelligemment. Oui, très très bien, elle a bien avancé hein, Ceci là-dessus. Elle a vu que Teresa était en difficulté, donc elle a pris le risque hein, de venir coller au centre. C'était en effet compliqué hein, pour Teresa de jouer cette balle croisée et de faire une croquette à Ceci. Donc voilà, elle avait 9 chances sur 10 en gros de pouvoir toucher cette balle. Et de prendre quelques dixièmes de seconde en plus à la paire Lucia Teresa. Oh, c'est cadeau, c'est vraiment cadeau. Hein. Carolina qui a fait deux grosses fautes dans ce jeu, une en retour, une là-dessus. Vous voyez, elle refait le geste d'appuyer un petit peu plus sur la balle avec sa raquette. Voilà, elle refait de nouveau le geste. Il lui manquait ça. Tout petit peu d'intensité physique dans cette frappe, rien du tout hein, mais ça tient vraiment à rien du tout entre mettre une balle très gênante pour l'adversaire dans les pieds du côté grillage et puis faire la faute. C'est pour ça que ce sport est si compliqué, ça demande à chaque fois énormément de rigueur et surtout une dimension physique incroyable à chaque frappe et tout le long d'un match. Vous vous relâchez 30 secondes, vous perdez de jeu. Voilà, la balle de Ceci qui va dans la vitre, direct, donc qui est faute. Thank you.
Ah voilà, un des premiers points du match là disputé. Oh là là, cette balle, je pense, de Cécile, ouais, qui a les fautes, mais il y a une justice. Hein. Teresa qui l'a joué un peu par réflexe. Et voilà, finalement, elle s'en sort. Et elle met la pression, cette jeune paire là. Ils sont à 0-30 sur le service de Navarro Reiter. Alors, vous parlez du niveau actuellement des joueuses. Il faut quand même rappeler que la paire hispano-argentine Navarro Reiter est quand même top 14, était numéro 14 mondial, donc top 15. Et les deux autres joueuses sont 22 et 25e mondial sur un challenger. Les quatre premières paires sont ont l'interdiction de participer puisque c'est la dernière catégorie hein, d'un World Padel Tour. Elle va la voir celle-là, Reiter, et elle va pouvoir la défendre, et elle s'en veut, hein, Teresa, parce que clairement elle avait, vous voyez, le geste d'agacement énorme hein, de Lucia, là, qui prend direct d'ailleurs un avertissement. Code de conduite très strict hein, sur le World Padel Tour. Et chaque geste d'énervement ou de parole malheureuse, les joueurs et les joueuses prennent un avertissement direct de la part de l'arbitre. Après, il est vrai qu'il manque également dans les meilleures paires actuelles en espagnol, tout simplement parce que ce week-end, en parallèle, ont lieu les sélections pour l'équipe espagnole pour les prochains championnats d'Europe, les sélections nationales. Donc, bien sûr, les meilleures joueuses et joueurs espagnols n'ont pu s'inscrire à ce challenger puisqu'ils ne voulaient juste pas faire forfait en quart de finale. Voilà, Louis, tu peux dire ça à Thomas. Mais ceci dit, on se régale quand même. On a énormément de chance hein, de pouvoir apprécier ces quatre grandes joueuses. Et c'est que le début de l'après-midi pour ce super rendez-vous padel. Allez, une balle de break à sauver pour la paire Reiter Navarro. Oh là 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 là! Énorme. Alors un coup réflexe, un peu de réussite. Mais alors, bien sûr, on va vous le montrer au ralenti, hein, ce point. Mais superbe service de Navarro. Et puis Ceci qui est venue bloquer quand même un petit peu la ligne droite parce qu'elle pouvait s'attendre à un contre de Teresa droit devant. Et elle a réussi à toucher cette balle du bout de la raquette. Est-ce qu'elle reste? Boum. Boum, smash par 4. Mustapha, good morning, bonjour. Umaïdine. Bonjour Mustapha. Bonjour à tous. Et une première balle de 7 pour Cecilia Reiter et Carolina Navarro. Et voilà, c'est fait avec ce smash qui revient directement. J'ai la paire Reiter-Navarro, smash gagnant, donc 6 jeux à 3. Dans ce premier set de cette première demi-finale féminine du jour. Voilà, vous revoyez au ralenti là, l'amorti qui permet de sauver la balle de break. Énorme. Apprécié sous différents angles. Vous voyez, dès que ça hop, elle avance ici, elle vient coller. Et elle a bien sûr un petit peu de réussite, mais il y a aussi une grande maîtrise technique et du jeu du padel. Tout simplement, ça lui a permis de réussir ce coup.
tout simplement parce qu'elle a suivi après le service de sa partenaire vers l'avant. Elle était prête, une très belle attitude d'attention. Elle était prête également à jouer une volée de coup droit si le retour allait un petit peu au centre. Reprise. Voilà, j'espère que vous avez profité de ce changement de côté, de cette fin de set. Pour aller boire un petit coup, réinstallez-vous tranquillement. On est de retour. Allez, pour ce deuxième set et au service. Lucia Martinez. Allez, on va voir un petit peu ce que décide cette jeune équipe. Je vous rappelle, hein, Lucia Martinez, née en 91, Teresa Navarro en 88, numéro 25 et 22e mondial respectivement. On va voir comment elles vont essayer de faire tourner le cours des choses et d'aller arracher un troisième set. Comme elles se connaissent par cœur, hein, ces deux joueuses là. Reiter qui a collé, qui a vu le lob, qui s'est tout de suite baissée. Elle savait que Carolina derrière allait rechercher cette balle. Donc elle s'est baissée sous le filet pour lui laisser le loisir de choisir sa zone. Carolina et Cécile, c'est ce coup au centre qui permet de resserrer les joueuses. Ouais, là Cécile qui ne comprend pas pourquoi Carolina est allée chercher cette balle. Elle était derrière, elle tranquille, elle était placée. Elle en sourit, hein, Carolina. C'est rare, hein, de les voir pas s'entendre sur le terrain. D'avoir une incompréhension dans les automatismes mis en place. Ou ça, par contre, ça peut faire mal. Ouais, elles ont bien reculé, hein, Navarro et Reiter. Oh là là, c'est une énorme faute encore. Hein. Ça force là, ça force. Et Teresa, elle n'est pas tout à fait placée. Au moment de l'impact, elle est toujours en train un petit peu de reculer à la frappe de balle. Et ce sont déjà deux balles de break à sauver pour la paire Navarro-Martinez. Et la première sera suffisante. Allez, 1-0 pour Cécilia Reiter et Carolina Navarro qui vont essayer de plier ce match en 2-7 rapidement pour aller se reposer très vite après leur gros quart de finale remporté hier après 3 heures de match contre la paire Brito-Ulrich, 7-6 au troisième set. Elles ont dû laisser un petit peu des plumes, hein, dans ce quart de finale. Alors comme je vous disais régulièrement depuis le début de la semaine, des joueurs et des joueuses qui sont extrêmement bien préparés physiquement, qui font du physique quotidiennement. Et même parfois quand ils font une pause raquette, ils continuent de faire du physique. Donc
qu'au bout du compte, ils font bien plus de physique que de paddle à la fin de l'année. Et c'est du 50-50. Hein, quand, par exemple, s'ils s'entraînent 2 heures au paddle dans une journée, ils vont faire également 2 heures de physique. Et cette semaine, j'ai pu les voir à l'œuvre. Ils étaient tous les jours à la salle. Ici, c'est une belle salle de fitness hein, sur le club de Casa Padel. Et j'ai vu tous les joueurs et toutes les joueuses qui participent à ce World Paddle Tour, à ce Challenger Casa Padel, passer beaucoup de temps quotidiennement à la salle, même quand ils jouaient après. Oh là 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 là, ça c'est une grosse faute ça aussi. Pas très beau hein, de la part de Cici Reiter. Vous voyez ce saucissonnage coup droit de Carolina Navarro. Smash qui retourne directement chez elle sans être touchée par l'adversaire. Smash gagnant donc. Ce sont ce genre de smash qu'on voit de plus en plus sur le World Paddle Tour à haut niveau. Les filles comme les garçons se font tellement maintenant souvent contrer sur des smash par 3 qu'ils évitent. Et là, vous le savez, les sorties sont autorisées depuis hier. Donc on évite les smash par 3. Et on essaye plutôt de faire des smash par 4 ou des smash qui reviennent chez nous. Allez, break confirmé pour la paire Navarro-Reiter. Après ce retour cadeau dans la vitre de la part de Teresa. C'est vraiment, hein, comme je vous dis souvent et comme je vous répète depuis le début de la semaine, interdit de faire ce genre de choses au padel. Ça donne tellement d'espoir à vos adversaires quand vous leur montrez que vous êtes capable de faire une faute directe comme ça. Et puis ça met un petit peu au fond votre partenaire et vous-même. Mentalement, c'est dur. Les points sont tellement compliqués à gagner dans ce sport, sont tellement longs, font tellement l'objet souvent d'un combat rude et âpre. Vous voyez Reiter qui recule. Oh pardon. Il est vraiment parti ce smash. Mais alors haut de la vitre. Hein. Il était à 3 mètres au-dessus du sol. Le fond de court mesurant 4 mètres. Elle était juste en dessous du grillage. Allez, 35, service, Teresa Navarro. Voilà, et encore ce smash décroisé, vitre latérale, vitre du fond de Carolina Navarro qui fait très mal hein, depuis le début du match à Teresa, qui n'arrive pas à le défendre, à bien se placer pour aller le chercher après la double vitre. Juste après la vitre du fond, elle a mis beaucoup de points depuis le début du match, Carolina, avec ce smash. Là, ça peut envoyer. Elle va pouvoir... Ah, juste, elle n'a pas touché, Ceci. Les volets, ouais, c'est très bien. Ça, c'est très bien joué. Hein. Par contre, j'allais vous dire qu'elle joue les volets longues, 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 et que du coup, Navarro Reiter, elles n'arrivent pas à les embêter, à revenir un petit peu dans le terrain, à leur mettre une pression visuelle. Et du coup, voilà, après 3-4 volets longues,
Teresa, très intelligemment, elle a vu où étaient placés ses adversaires et elle a pu juste poser cette balle derrière le filet sans prendre énormément de risques. Et là, c'est une amortie intelligente, c'est une amortie efficace. L'amortie au padel, je vous le dis souvent, est très risquée, hein, parce que souvent, on tente l'amortie quand on refuse un petit peu le combat ou quand on pense qu'on va pouvoir faire le point. Et c'est compliqué, hein, d'avoir un taux de réussite de minimum 80% sur les amortis au padel. Mais voilà, c'est une des premières fois du match là que Teresa fait ce coup. Et c'est pour ça qu'il était efficace et qu'elle n'avait pas besoin de prendre un énorme risque. Et là, c'est intelligent. Et là, elle va être à plus de 80% de réussite en tentant ce genre de choses. Si maintenant elle le tente deux fois par jeu, inutile de vous dire qu'elle va se faire punir très vite et très souvent. Bravo à elle pour cette lucidité. Et la paire Navarro-Martinez qui débloque son compteur dans ce deuxième set. Et qui sont menés 2-1, toujours un break de retard après la perte du premier set. Salut Carmen, donc 6-3 au premier set pour Aitor Navarro et 2-1 actuellement au deuxième set et au service Cecilia Reiter. Bien suivi hein, de la part de Navarro. Dommage qu'elle n'ait pas joué de volée. Cette balle, elles avaient pris du temps à leurs adversaires. Voilà, et elles finissent du coup par perdre le point. Elle a raté une demi-occasion, Carolina Navarro, et ça ne pardonne pas. Peut-être après, on va avoir... Oui, elle dit de la suivre. Oui, ça touche pas le toit. Ouais. Elle a hésité un quart de seconde, Lucia Martinez, pensant que cette balle allait peut-être toucher le toit. Du coup, elle n'a pas fait... elle a pas été rigoureuse à 100% pour se placer, bien tourner les épaules. Elle s'est un petit peu affaissée au moment de l'impact. Et la balle, elle est allée dans le filet, restée dans le filet. Et ça permet à Navarro Reiter de revenir à 15 à dans ce jeu. Vous l'avez sûrement entendu, hein, Carolina Navarro qui disait à Ceci, vas-y, vas-y, celui-là, et joue la contre la vitre. Ce qu'a réussi à faire Reiter, en désespoir de cause un petit peu. Et voilà, derrière Teresa Navarro qui avait très très bien suivi et qui a pu smasher fort, claquer cette balle qui est sortie en par 3. Voilà hein, ce que je demandais tout à l'heure à Teresa et Lucia, de venir un petit peu contrer ces smashs un petit peu posés de Ceci Reiter. Alors là, Lucia l'a fait, elle met la balle dans le filet, mais je trouve que sur ce match-là, il manque quand même beaucoup d'impact physique, d'intensité physique de la part des joueuses. Et ça provoque beaucoup de fautes directes, de fautes un petit peu inhabituelles à ce niveau-là. Alors c'est vrai que Cecilia Reiter et Carolina Navarro ont,
encore une fois, produit un gros gros match hier en quart de finale pour être présente aujourd'hui. Elles s'en sortent 7-6 au troisième set contre Ulrich Brito. Mais Teresa Navarro et Lucia Martinez, elles, ont été plutôt tranquilles hein, sur leur quart de finale. Elles ont battu 6-1, 6-1 la paire Cortiles-Castello. C'est allé assez vite, ce quart de finale. Par contre, un petit coucou hein, à Laura Clergue. Laura qui a perdu hein, contre Teresa Navarro et Lucia Martinez. Laura qui fait équipe avec Barbara Laceras. Et elles, elles ont bien résisté. Hein, Teresa Navarro et Lucia Martinez en huitième de finale. Elles s'inclinent en 2-7, mais à 6-4, 7-5. C'était vrai match, hein, vraiment un match serré qui a duré ce match. Hein. Il y a eu gros combat sur ce huitième de finale. Et sûrement Laura, si elle voit aujourd'hui ce match, bah ça, peut-être ça la rassure. Hein. Elle voit que ses adversaires, là, elles sont aujourd'hui en demi-finale. Voilà, il n'y a pas vraiment de raison hein, que Teresa et Lucia, elles peuvent pas en mettre un petit peu plus dans leur frappe là. Oh là là, mais ça... J'ai l'impression que les balles tombent assez vite hein, une fois qu'elles touchent les vitres. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il fait donc un temps splendide à Paris, mais au-dessus des nuages. Nous, on est en dessous. Donc forcément, c'est un petit peu moins beau et du coup, c'est pas beaucoup d'humidité dans l'air. Et c'est vrai que ça joue hein, sur les vitres. On en avait parlé cette semaine quand Joanne Bergeron m'avait fait le plaisir de venir commenter avec moi le match de Skatena-Suescun. Les balles, si vous vous souvenez, si vous étiez présent avec nous, c'était mardi soir de mémoire. Les balles qui giclaient beaucoup moins des vitres. Pareil, il y avait énormément d'humidité dans l'air. Voilà. Et la paire Martinez-Navarro qui arrive à gagner leur jeu de service après s'être un petit peu fait peur en début de jeu, mais qui sont toujours et encore menées d'un break dans ce deuxième set après la perte du premier, 6 jeux à 3. Voilà, j'en profite pour faire un petit coucou et un grand merci à tous les sponsors de ce challenger Casa Padel. À la superbe eau filtrée BWT, The Best Water Technology. À la marque de padel Joma, Bull Padel, Ed, aux super voitures Cupra, Cupra ATK, qui nous transporte à droite et à gauche pour aller visiter la Tour Eiffel, le Louvre et Notre-Dame. Ah non, pas Notre-Dame. À la bière Estrella Dame sans alcool. Et vous l'avez là à l'écran. Un grand merci aussi à Arthritis, à Vitogaz, voilà, à tous ces sponsors hein, du World Padel Tour qui vous permettent de suivre cet événement comme si vous y étiez tranquillement installé chez vous sur votre canapé, peut-être au bureau si certains travaillent le samedi. Et apparemment, certains d'entre vous sont bien, bien installés. À la maison, accompagnés d'un petit verre. Allez, on est reparti pour cette première demi-finale féminine aujourd'hui. 6-3, 3-2. Pour la paire Navarro-Reiter. Yann, Eloline et Popo. Ah, Yann, Yann Oradou qui des tribunes nous fait coucou. Si vous êtes sur Saint-Denis, hein, sur Paris aujourd'hui, n'hésitez pas à venir nous rendre visite. Pourra également vivre cet événement complètement au cœur, hein, assis sur les fauteuils.
Yann qui a participé hein, à ce challenger du World Paddle Tour. Aux côtés, voilà, vous voyez Yann Oradou ici avec sa casquette rouge. Il est là. Il a donc participé à ce challenger en pré-prévia aux côtés de Thomas Midjana. Et ils avaient gagné leur premier tour. Ils n'ont malheureusement pas pu défendre leur chance ensuite. Voilà, et Yann qui gentiment est revenu nous faire un coucou aujourd'hui, là, qui est présent. Vous voyez le public. Même nombre de publics ici à Casa Paddle pour ce challenger qu'à Doha pour les championnats du monde d'athlétisme. Allez, 35. Cadeau. Ouais, Teresa qui s'énerve bien sûr. C'est vraiment, comme je vous disais depuis le début, énormément un match assez décousu hein, pour cette première demi-finale. Je pense que l'horaire est trop tôt hein, pour des Espagnols. Ils ne sont pas habitués à jouer à cette heure-là. Et beaucoup de fautes directes, beaucoup de retours hein, qui sont partis directement dans la vitre. Et c'est vrai qu'à ce niveau-là, c'est quand même étonnant de voir ça. Voilà. Clément Houdard, les membres de l'organisation, Clément Houdard, le kiné, hein, qui est présent au bord du terrain au cas où, malheureusement, il a dû travailler hier soir lorsqu'Alix s'est blessé, s'est fait une entorse à la cheville. Il a dû intervenir à plus de 23 heures pour notre plus grand malheur, mais surtout celui d'Alix. Alix qui nous tiendra au courant les jours prochains de l'état de sa cheville. Il faut attendre au moins 48 heures avant de faire des examens. Allez, 4 jeux à 2. Pour Raeter Navarro et Quinza sur le service de Teresa. Voilà, de ce que je vous disais il y a quelques secondes, un des cadeaux incroyables. Surtout hein, de la part de Teresa et Lucia et surtout souvent sur des balles au-dessus de la tête. Très bon service, une variation de vitesse sur ce service de la part de Teresa qui a servi donc dans sa mauvaise diagonale, qui a pris le risque de servir la vitre vu que c'est si et gauchère, elle tombait donc sur son revers. Mais elle a baissé sa vitesse, elle a varié cette vitesse, elle a trouvé de la longueur et Cecilia Reiter eh ben, s'est fait avoir. Allez. Superbe, le smash décroisé de la gauchère, justement. Bon, bien avancé, bien croisé hein, de la part de Navarro Reiter. Allez, et puis une nouvelle balle de break, hein, de nouveau, pour
la paire Starvi Bébé. Elle va la voir celle-là, Ceci et celle-là aussi. Carolina, elle va même pouvoir choisir hein, ce qu'elle fait. Défense en bas, bien joué. Superbe, le lob de Carolina. Et voilà, elles ont, sont revenues dans ce point. Après s'être bien battues sur 4-5 frappes, Cecilia et Carolina. Et maintenant, elles vont faire travailler leurs adversaires parce qu'elles savent qu'au final, depuis le début du match, ça rate beaucoup en face et souvent. Donc on va voir. Sans prendre de risque. Ah, voilà, elle avait choisi de prendre le risque. Il manquait un petit pas plus rapide sur le démarrage là, de Carolina Navarro qui a reculé un peu trop tranquillement, entre guillemets, hein, bien sûr, attention. Mais du coup, elle n'était pas complètement... sur un transfert vers l'avant avec ce smash frappé. Et de nouveau, un cadeau de la part de Teresa. Un de plus, peut-être un de trop. On va voir. Ce que je vous disais hein, au point d'avant. Oh non, non, c'est terrible. Reiter, Navarro qui ont vraiment qu'à mettre quelques balles dans le terrain hein, souvent et qui au bout du compte provoquent une faute plus ou moins directe de la part de Lucia et Teresa. Allez, avantage service pour revenir dans ce match. Qu'il était beau ce petit revers demi-volé en direct de Carolina là dans les pieds en Chiquita. La Chiquita, hein, je vous répète, qui est une balle qu'on vient jouer dans les pieds des volleyeurs pour les forcer à jouer une balle sous le filet. Un modèle de revers demi-volé en direct. Et voilà. La petite balle au milieu. Très bonne zone, hein, la zone du centre au padel. Je suis sûre que vous le savez maintenant. C'est vraiment une zone à jouer au padel le plus souvent possible. Comme je vous expliquais ces derniers jours, ça resserre vos adversaires. Ça veut dire qu'ils sont obligés de revenir au milieu tous les deux. Ça vous ouvre des angles de côté. Et puis voilà, si jamais il y a un manque de communication entre vos adversaires, ben ça peut juste être un coup gagnant. À l'image de ce dernier point. Et voilà, un double break offert un petit peu sur un plateau hein, par la paire Navarro-Martinez. Et maintenant, Carolina Navarro et Cecilia Reiter qui s'envolent un petit peu dans ce match. Et on voit là le bon réflexe de Reiter hein, pour éviter de se faire... éclater la tête par cette balle là, envoyée par Lucia. Elle a un bon réflexe de se coucher. Alix également hier, hein, qui a vu sa vie défiler sur un smash de Tamara. Elle a eu le réflexe au dernier dixième de seconde de se coucher par terre, exactement comme vient de faire Reiter.
C'était vraiment impressionnant aussi de le vivre en direct. Et ça arrive, hein, bien sûr, ça n'a aucune mauvaise intention, c'est pas intentionnel de la part de votre adversaire parce qu'elle préférait mettre la balle dedans que de la mettre directement dans la vitre, croyez-moi. Voilà, et malgré tout, un match un petit peu décousu, mais un match qui dure. 6-3, 5-2, mais déjà pratiquement 1h20 de match. Et service Cecilia Reiter qui va essayer de finir ce match. Pour aller très rapidement faire un petit peu de kiné, récup, un peu de salle et puis rentrer à l'hôtel. Voilà le petit chewing-gum. C'était très très dur hein, de faire ce qu'a tenté Carolina, là, alors qu'il y avait de la place pour revenir au centre, tranquillement, comme je vous disais il y a quelques minutes, de resserrer les joueuses, de rester au filet, de faire bloc. Il n'y avait pas vraiment d'urgence hein, de tenter ce lob long de ligne en volée, très difficile à réaliser. Allez, 15-30. Voilà, et vraiment. Enfin, en tout cas, pour l'instant, la paire Teresa Lucia qui n'arrive pas à trouver la solution pour venir contrer ces smashs décroisés. Elles en ont usé et abusé, Carolina Navarro et Cecilia Reiter, avec énormément de réussite sans jamais avoir spécialement à accélérer. Elles ont tenté de venir le contrer un petit peu de volée, mais seulement une ou deux fois. Là, elle a tenté de le contrer en direct. Tout à l'heure, après les doubles vitres, elle n'y arrivait pas non plus. Tentative de croquette ratée de la part de Reiter. Mais voilà, ça aurait offert une balle de match. Pourquoi pas? Même si sincèrement, elles n'ont pas du tout besoin aujourd'hui de produire ce niveau de jeu-là. Hein. Leurs adversaires qui donnent beaucoup hein, depuis le début du match. Allez, une première balle faute. Cette balle de break donc qui va être jouée sur une deuxième balle de service de la gauchère Ceci Reiter. Allez, voyez, elle essaye de venir en direct, contrée. Voilà, mais Carolina avait bien suivi. Là, elle ouvre un petit peu. Carolina, elle était un petit peu en retard et du coup, elle a choisi de lober. Et sincèrement, ce n'était pas du tout une bonne idée. Et vous voyez, je sais pas si vous avez vu les signes de Reiter qui dit mais elle vient là, mais qu'est-ce qu'elle fait? Carolina qui vient hein, souvent du côté de Reiter, qui n'a pas forcément besoin. Alors peut-être que Reiter lui a dit ce matin qu'elle était fatiguée, je sais pas, mais vu qu'elle est gauchère, Reiter, elles peuvent toutes les deux s'occuper de leur diagonale sans trop de problèmes. Parce que là, Carolina, elle s'est mise dans l'urgence derrière un petit peu toute seule. Elle a choisi de lober plutôt que de jouer en bas. Voilà, un premier day break, mais il en reste encore un. Et alors, vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais de la technique au niveau du relâchement du poignet de Lucia Martinez et Pauline Renvoisé qui me faisait une remarque très judicieuse il y a quelques minutes sur
tenue de la raquette de Teresa Navarro et Lucia Martinez. Ça rejoint exactement ce que je vous expliquais tout à l'heure. Hein. C'est vrai que je ne vous avais pas complètement tout dit, mais vous voyez que Lucia, celle qui sert, tient sa raquette très basse, le petit doigt pratiquement en dessous du manche, alors que Teresa la tient beaucoup plus au milieu. Et tout ça amène plus ou moins de relâchement au niveau de la dernière articulation du bras, c'est-à-dire le poignet. Plus vous tenez votre raquette basse, plus vous allez avoir le poignet relâché, mais plus vous allez également perdre en contrôle. Et encore une fois, suivant votre profil, à vous de voir ce qui vous convient le mieux. Pas de vérité, hein, encore une fois, là-dessus. Chacun est unique, c'est à vous de trouver votre propre technique. Mais testez un petit peu là où vous mettez votre main sur le manche. Ça peut changer énormément de choses dans les sensations et dans le contrôle de vos balles. Allez, 45, mais il y a encore deux opportunités pour la paire Martinez-Navarro de recoller un petit peu au score. Toujours hein, cette technique particulière hein, de l'ouverture du bras derrière. Rappelez-vous encore une fois de la technique de Nicole hier dont je vous parlais, à l'inverse hein, de celle de Lucia Martinez. Voilà. Et jeu pour la paire Teresa Navarro, Lucia Martinez qui reviennent à 5 jeux à 4 dans ce deuxième set et qui vont obliger Cecilia Reiter et Carolina Navarro à servir pour finir ce match et rejoindre la finale. Finale féminine et finale masculine qui auront lieu demain en première rotation, la finale féminine qui sera suivie de la finale masculine. Vous voyez ces bénévoles qui sont au service des joueuses et des joueurs là au changement de côté. Le moindre désir de ces joueurs et de ces joueuses est immédiatement réalisé. Voilà, aux petits soins pour ces professionnels. Encore une fois, le staff de Casa Padel toujours présent, très professionnel. Merci à eux, merci au club, à toute l'organisation. Grand merci à David, à Carlito, à Mousse, à Léa, à Camille, à Antoine, à Franck, à Jean-Charles, Jean-Damien, François, Jonathan, Ben. Un énorme travail hein, de tout ce staff et j'en oublie sûrement encore à Franck. Voilà, et bien sûr un grand merci à tous les sponsors, à Joma, à Boule Padel, Ed, Arthritis, l'OWT, Estrella Dame pour les bières sans alcool, à Vitogaz, aux voitures Cupra, à la Fédé Tennis qui nous a aussi permis de participer pour beaucoup d'entre nous à ce challenger en obtenant des wildcards. Ah, la balle qui est bonne, hein. Vous avez peut-être entendu l'arbitre de chaise se reprendre. 0-15. Pucci, bonjour Lynn Padel, salut Pucci, bienvenue. Merci de nous rejoindre. Elles sont belles ces trois volées là. Hein. Très longues, très belles. Voilà, elle va l'avoir hein, tout le terrain. Et ouais, faut pas se tromper là-dessus sur ce contre. Parce que derrière, c'était une offrande pour Cecilia Reiter qui avait tout le court ouvert et qui a tranquillement pu pousser cette balle dans l'espace libre.
Chiquita, volée longue au centre, en bas, en haut. La Vibora parallèle. Le smash décroisé. La Bandera posée au centre. Et pour finir, un smash gagnant. Un modèle, hein, ces quatre frappes en haut de Cecilia Reiter. Vraiment une palette technique qu'elle vient de vous montrer là. Quatre balles frappées au-dessus des épaules. Quatre choix différents. Quatre vitesses différentes. Quatre techniques différentes. Voilà, tout ce qu'il faut savoir maîtriser et faire au padel. Ça, c'était très très beau. Hélène, bonjour Hélène, la maman de Noah, bonjour de Malaga. Un grand merci à toi Aline pour tes commentaires, un régal. Oui, bien sûr, vous le savez, je me régale aussi à vous faire vivre ces lives et à vous partager ma passion pour ce sport. Allez, 30A, à 2 points du match, Reiter Navarro, et à 2 points du débreak pour Martinez Navarro. J'allais vous dire, un premier service va être important là. Il reste dans la bande du filet. Donc ça va se jouer sur une deuxième balle de service. Elle est bonne cette volée lobée de Carolina. Très belle hein, d'ailleurs. On verra de Ceci. La volée longue. Il aurait fallu là qu'elle revienne peut-être au centre. Carolina Navarro qui a dit à Ceci, je la prends. Et là, vous l'avez peut-être entendu. Reiter qui a dit non, non, moi. Non, Cho. Voilà. En argentin, on dit pas yo, on dit Cho. Oh. Et ça sera une balle de débreak pour la paire Martinez. Navarro. Voilà, comme je vous disais en début de retransmission, hein, Cecilia Reiter qui est argentine hein, d'origine. Ah ouais. Oh, bien battu hein, de la part de Carolina Navarro là. Pour remettre cette balle. Et voilà, le débreak de Teresa Navarro, Lucia Martinez, qui reviennent à 5 jeux partout après avoir été menée 5-2, double break. Vous le savez, hein, maintenant vous avez l'habitude depuis le début de la semaine de tous ces retournements de situation. Un match n'est jamais fini au padel, vous m'avez souvent entendu le dire, et encore une fois, en voici la preuve. Tout comme hier sur le dernier quart de finale masculin, où Néroné menait 3-0 dans le 2-7, 5-3-0. Et ils ont fini par s'imposer en 2-7, mais 7-6. Voilà, des retournements de situation incroyables. Alix et Nicole, pareil, qui étaient menées hier d'un set, un break jusqu'à 5-4. Elles ont débreaké pour arracher le deuxième set et finir par perdre. Troisième défaite cruelle, 7-5 au troisième. En étant breaké à 5 partout après avoir mené 45. Voilà, vous le savez maintenant. Pensez-y les prochaines fois que vous jouez quand vous êtes mené, jamais fini. Battez-vous jusqu'au bout, ça va très très vite au padel, les choses tournent très très vite. Et puis pareil, si vous vous menez facilement dans un match, ne vous relâchez pas parce que tout peut arriver. Vous le voyez à haut niveau. Ça sera également vrai à plus bas niveau, voire encore plus vrai peut-être. Il a toute la rage hein, dans ce contre de revers de Carolina Navarro avec le cri derrière. Et Hélène, tu nous dis très mental le padel, extrêmement mental le padel. Et en plus, on fait appel à une double dimension psychologique hein, avec ce sport collectif qu'on joue en double.
tous les sports ont une dimension mentale, psychologique très importante et le padel n'échappe pas à la règle. Voilà, à ce niveau-là, tous les joueurs et joueuses savent faire des coups droits et des revers, savent faire des services, des banderas et des smashs. Ça se joue pas donc sur la palette technique, ça se joue sur le fait de l'utiliser à bon escient et surtout de mettre dedans. Et ça, ça vient de la tête. Elle va l'avoir, Carolina ? Non. Faire faire. Hello, Lynn. This afternoon, more padel. Of course, faire faire. We are just at the beginning of the day. That's the first semi-final now. Then we're gonna show you the first men semi-final, then the second women semi-final, and to finish the second men semi-final at the end of the day. A lot of padel today. Stay connected, stay tuned. Oh, c'était bien joué ça. Bien joué de la part de Lucia. Et alors vous voyez, hein, Navarro Martinez qui maintenant mène 40-15 dans ce jeu. Voilà, on pensait que ce match serait déjà fini hein, depuis 10 minutes. Jusqu'au bout. Très très bien amené hein, de la part de Reiter. D'abord une volée de coup droit légèrement croisée sur Teresa Navarro dans son angle gauche, là qui l'a obligé à faire une défense en bas compliquée. Et du coup, Lucia qui est venue protéger un petit peu le centre. Et du coup, Cecilia Reiter avait son côté dans sa diagonale ouvert. Donc elle a pu poser cette volée de coup droit un petit peu plus courte dans le grillage, décroisé. Et ça a suffi. Et voilà. Navarro Martinez qui passe devant dans ce deuxième set et qui mène maintenant 6 jeux à 5. Elles viennent de marquer 4 jeux de suite. Elles étaient menées, je vous rappelle, 5-2 dans ce deuxième set. Elles ont perdu le premier 6 jeux à 3. Mais rien n'est fait dans cette première demi-finale féminine. C'est dans leur gène, hein, à ces Espagnols, de s'accrocher jusqu'au bout, d'y croire. Comme je dis souvent, à l'image d'un Rafael Nadal, très très bon joueur de padel également, Rafa. Voilà, ils sont habitués depuis tout petit à combattre, à souffrir sur le terrain, à y rester des heures. C'est vraiment un sport hispanophone, hein, ce padel. Inventé par un Mexicain. Importé en Argentine auprès d'un ami. Et d'Argentine par bateau en Espagne. Allez, on est reparti dans cette première demi-finale. On va voir là, hein, Cecilia Reiter, Carolina Navarro, qui vont, si elles vont réussir à arracher le tie-break dans ce deuxième set. Yeah. 0-15.
très bien, de la part de Ceci. Encore une fois, qui n'a pas cherché l'amortie gagnante, hein, qui a cherché une balle courte à faire avancer Lucia, à déplacer l'équipe adverse. Et derrière, Carolina, très attentive, tranquillement, a mis cette volée dans les pieds. Allez, 45-45. Deux balles pour égaliser à 6 partout et arracher le tie-break tant attendu. Et voilà. C'est fait, vous vous rendez compte, hein, comme elles ont facilement remporté ce jeu de service là, alors qu'elles n'ont pas réussi à conclure malgré leurs deux occasions après avoir mené 5 jeux à 2 dans ce deuxième set. Voilà, c'est vraiment toute la dimension mentale et physique, hein, de ce sport. Teresa et Lucia qui sont un petit peu aussi relâchées après avoir donné tant d'efforts pour revenir dans ce match. Et qui marque ce premier point d'un smash un petit peu rageur qui est resté dans le terrain. Il est vraiment très beau, hein, ce service de Carolina Navarro, très compliqué à faire. En revers, vraiment essayez la prochaine fois que vous allez sur un terrain de padel, essayez de servir comme ça en revers. J'ai moi-même testé et sincèrement, bon, moi ça ne me convient pas, voilà, mais c'est vraiment compliqué, hein, en termes de timing, en termes de plan de frappe. Elle le fait très très bien, Carolina Navarro. Oui, c'est bien, hein, vu comme elle a déplacé l'équipe là. Allez, 2-1. Pour Aitor Navarro. Il va rester ce retour dans les limites du terrain. Un petit peu trop fort cette frappe de Teresa qui avait donné une chance à Aitor de la défendre. Elle n'a pas réussi à s'en sortir, mais vous voyez, c'était un tout petit peu trop claqué. En général, il vaut mieux essayer de faire cette balle un peu moins claquée pour éviter qu'elle sorte de la vitre du fond et qu'il donne une chance supplémentaire à votre adversaire de la défendre. Allez, 3 points à 2 pour Reiter Navarro. Reiter maintenant, la gauchère, qui va servir pour essayer de valider ce mini break. Bien joué, hein, de la part de Carolina qui a fait mine de frapper ce smash et qui au dernier moment a poussé cette balle avec un semi-bras roulé dans les pieds de Teresa qui n'a pas réussi à s'en sortir. Voilà aussi toute l'importance, hein, dans la formation des jeunes. J'en ai pas beaucoup parlé depuis le début de la semaine de la formation des jeunes qui est tellement importante, qui est en train de se mettre en place doucement en France. Mais toute l'importance de savoir développer ce petit jeu de demi-volée là dans les pieds. Ce petit jeu de la main qui est tellement important au padel. Et le padel se modernisant et devenant de plus en plus agressif et de plus en plus fin techniquement, il va être très important.
de développer toute cette main-là, comme on dit, dès les plus jeunes années. Et encore une fois, en respectant le profil des joueurs. Et voilà, 4 balles de match pour la paire Reiter-Navarro. Et la première balle de match suffira à Carolina Navarro, Cecilia Reiter qui s'en fait peur hein, en étant remontée. Merci à tous d'avoir suivi avec nous cette première demi-finale de la journée, première demi-finale féminine. Donc on connaît une des deux paires qui sera en finale demain, Carolina Navarro, Cecilia Reiter. On vous retrouve avec grand plaisir d'ici quelques minutes pour la suite du programme et la première demi-finale homme. Merci à tous, à tout de suite.